Salut tout le monde, c'est Sundard et bienvenue sur une nouvelle session Retro Achievement. Aujourd'hui, je découvre Monster in My Pocket, développé par Konami, sorti en 1991 sur NES. Totale découverte, je ne connais absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est une licence de jouets, c'est ça? Les monstres de poche. Des années avant les Pokémon. Voilà, les monstres qui sortent de la poche. Voyons voir les achievements, Konami, tout ça. Finir le stage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaincre Warlock. Vaincre. Pourquoi j'ai un problème avec mon rétro achievement? Enfin voilà, on s'en fout. On s'en fout. Il faudrait que j'arrête de regarder ces achievements en début de vidéo. C'est parti, voici la totale découverte de Monster in my Pocket. Un joueur. Jour 1, le vampire ou The Monster. Allez, je vais prendre le vampire. Unsaid un... C'est henchman, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Connais ce jeu sur le chat. Come on, Warlock. Stage 1, Monster in my house. Monsters in my house. Alors, je peux faire quoi? Je peux sauter, je peux taper comme ça, je peux mettre la pause et select. Ça sert à rien. Très bien, ça a l'air tout simple. C'est hyper basique. Est-ce que je peux taper vers le haut? Non, il y a une clé là-haut. Je peux... Oh là là, attention, je peux prendre la clé. De quoi par là? Oh merde! Bon, ça a l'air d'être... On dirait... Ça me fait penser à un autre jeu. Sur... Ah merde, on peut plus revenir en arrière! Ah oui, mais non! Voilà. Ça me fait penser à un autre jeu sur Amiga, mais je n'arrive plus à revenir sur le nom. Enfin voilà, donc on peut prendre des clés, tout ça, ce n'est pas linéaire, il y a des trucs cachés. Attention, ouvrons les yeux. Henchmen, ça c'est généraux, les sous-boss. Allez, c'est parti pour de bon. On finit ce jeu. Il y a 6 stages en tout. Hop. Alors qu'est-ce que je peux faire avec cette clé? Je vais la balancer sur mes ennemis. Et je peux plus la récupérer. Oh non! Bon allez, tant pis. Il y a cette tête qui roule. Oh les hommes puces. Les hommes puces de Castlevania. Oui, ce sont les hommes puces. Attends, je suis sous le lit là. Y'a des sorcières qui me balancent des cerceaux. Le beat est bon. C'est hyper simple pour l'instant. Voilà. Bon bah j'ai pas la clé, je sais pas à quoi ça sert. Ça se trouve ça servait à rien, c'était juste pour tuer les ennemis plus facilement. De life. Je peux aller plus haut? Non. J'appuie vers le haut, non, je peux pas grimper là. Ce sont les mêmes centres que Castlevania. Je fais quoi là? Je tombe. Eh, attention hein! J'ai plus que deux carrés de vie. Oh, il m'attaque encore plus. Oh putain, et attends, c'est chaud! C'est chaud mais ça me plaît. C'est hyper basique. Tiens, voilà, parfait.
Attends, mais... Ah, ok, je descends les escaliers. Salut, Tremololo. Attention, attention, attention. J'ai récupéré un carré de vie. Et une vie supplémentaire. J'ai 510 points. C'est quoi? Le boss. Que j'ai déjà vu dans un autre jeu. Attention. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Ferme-la. Attention! On peut les détruire. Le boss n'a pas de point de vie. Il est mort. Et voilà. Et la clé, ça restera un mystère. Monsters in my house, premier achievement. Big trouble in the kitchen. J'adore la musique. Bon, eh bien, revoilà la clé. Comment je fais pour monter là? En sachant que je peux pas revenir en arrière. Oh, 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 attends! Comment j'ai fait ça? J'ai l'impression que j'ai fait un super saut. On a un double saut? Attends. J'ai pas compris là. J'ai l'impression qu'on a un double saut. Ok, on a un double saut! Très bien. Par contre, c'est un peu bizarre. On peut pas l'enclencher quand on veut. Il faut vraiment l'enclencher quand on est bien haut, comme ça, voilà. Je me fais attaquer par-dessus. Je me fais attaquer... Ah là 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 là. Ça, ça me rappelle... Ah putain, attention! Tic et tac, chip and dale. C'est bien, on peut taper, on peut exploser les tirs ennemis. Salut Nemesis. Il est très sympa ce jeu. Oh là. Ok. Des petits dragons qui balancent des œufs. Pas de chauve-souris pour l'instant. Mis à part que je suis Dracula. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est quand on se précipite. Là, à mon avis... Qu'est-ce que j'ai gagné, là? The Cooker. Weightlifting Frenzy. Oh merde, oh merde, oh merde. Ça marche pas. Je vais garder la clé. Non, 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 le débile! Non, c'est bon, je la récupère ou pas? Je la récupère pas. On ne saura jamais ce qu'est cette foutue clé. Non, j'étais à la fin en plus. Alors, Freezer, congélateur Sama. Oh, oui, bon, calme-toi. Ne pas oublier le double saut. Ah là là là. Ah, cette disparition. Super stylé. J'ai déjà perdu un carré de vie. Bon, concentre-toi, il y a un pattern. Voilà, là il va revenir vers toi, très bien. Tac. Là il revient. Non, il est mort. J'ai compris le pattern à la fin. On entend tellement que c'est le compositeur de Tortue Ninja, oui. Konami. Crisis from Underground. Niveau dans les égouts. Ok, j'appuie vers le bas, je saute et je peux descendre. Oh putain, l'attaque! Attends, mais comment tu veux? Comment tu veux? Oh! J'ai combien de vie? 3. Bon,
Ça a l'air quand même assez chaud. Hein. Des balles de golf. Oh merde, j'ai raté le double saut. Je vais avoir des réflexes de ninja. Ok, parfait. Oh, comme dans Castlevania. Et voici les chauves-souris, non? Au niveau des égouts. Des rats. Passe. Oh là là, faut donner deux coups et ça apparaît super vite. Les poissons, les hommes poissons. Je suis sur une canette. Ok. Oh non mais. Attends, j'enchaîne les niveaux super rapidement là. A mon avis, il n'y a pas de platine. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oui, ça sort de là. Ça sort où? On sait pas. Ok, ça a l'air simple. Il suffit d'attendre qu'elle reparte et je tape dessus. Voilà, je suis éloigné. Ça fait ça. Et je tape bête et j'ai raté. Non, si je m'en approche, là, je me fais toucher. Alors, je dois faire de ce côté, peut-être. Voyons voir. Oui, ok. Là, j'ai le temps de le taper. Donc, je dois rester sur la droite. J'ai pas changé le nom du stream, donc c'est Monster in My Pocket. De toute façon, le titre est dans le HUD. Et là, j'ai fait le point, non ? Putain, on en a pour des heures de cette façon. Peut-être que je peux le taper. Non, je m'en approche pas. Allez, mes crèves. On voit les totems. Là j'ai le temps de taper. Quoi? Ah c'est parce que je l'ai ralenti du coup voilà il m'a touché. Attention. Ok. C'est un gros CKTO. Non. Oh, j'ai eu de la chance. Et voilà. Retourne au Japon. Plus rapide de sauter par-dessus à la fin. Stage 3. Bah voilà, je suis à la moitié du jeu. Logiquement. Toboring catastrophe. Et on s'est un petit peu rose là. Oh là, les dragons qui attaquent en groupe. Pardon, ok, je peux monter sur la grille. Donc je grimpe sur la grille. Et j'ai une vie supplémentaire. Parce que j'ai 2500 points. Est-ce que je peux marcher là? Non, à mon avis, non. Ah putain, le double saut. Faut vraiment le faire au dernier moment, quoi. Voilà.
fais trop tôt, ça passe pas. Non, là, complètement con. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est des petites vieilles dans des sacs à main. Ah merde! Il y avait un vainqueur en dessous. Faut pas sauter. Faut baisser par contre. Oh la vache! Oui. Oh non! Me dis pas que c'est fini! J'ai 3 continues. D'accord. Je sens que je vais arriver à la fin, j'aurais pu continuer comme d'habitude. On ne voit jamais la fin des jeux dans les sessions Retro Achievement. Il est rare que je finisse des jeux. Merde, oui, mais là, si tu fais comme ça, tu n'y arriveras jamais. On prend les cœurs. Là, je me baisse. Salut, je te fais. Je prends pas. Oui, là je prends. Pas le choix. Voilà. Ou toi, Yannick Commando. Retourne chez Capcom. T'as rien à faire là. Attends, mais comment tu fais là? Ah, mais t'es obligé de faire des petits bonds. Je t'emmerde, je passe. Par contre, les transitions de niveau sont un peu bizarres. Qu'est-ce que c'est que ce dragon? Oh le troll. Et ben si je rate, si je perds, je prendrai le deuxième perso, la monster. C'est pas compliqué. Tu t'arrêtes, tu tapes. Ouais, mais il y en a de plus en plus là. Oula, attention. C'est une chimère, oui, voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Oh merde. Retourne dans Dark Souls. Je suis enjaillé par la musique. Ça, par contre, je vois pas du tout. Ah, se baisser. Non. Là, je comprends pas. Hein. À mon avis, il faut reculer un peu et se baisser. Ok, reculer un peu et se baisser. Reculer un peu, ok. D'accord, voilà. Voilà, je vous ai eu, j'ai compris. Il suffit de reculer un tout petit peu et de taper en se baissant. Salut, Arturo. Toi, je te tape directement. Oui, non. Par le haut, c'était bien. Par le haut, c'était bien. Voilà, là, c'est bien. Le spray était vraiment immense. Merde! Là c'est bien. Sur les côtés c'est un peu la merde. Ouais, il suffit d'aller de l'autre dans le... Non! Ah oui mais il fonce vers moi aussi. Réveille-toi un peu. Je fais n'importe quoi. Donc là je peux taper. Là je passe au-dessus.
et je le frappe, et c'est fini. Le monstre du lagon. Cinquième stage. Oriental Illusion. La forêt de bambou. Attention. C'est quoi? C'est des kappas volants. Des kappas volants. Ok, ok. Sur le pont. Ah là là là. Voilà, faut pas se presser, tu vas doucement. Et là, qu'est-ce que je fais? Double saut. Le double saut! Oh non! Putain, mais le double saut, je comprends pas quoi. Je ne finirai pas le jeu avec Draculaman. Arrive à 500 points. En fait, faut le faire tout de suite. Faut le faire très vite. Si tu fais trop haut, ça marche aussi, je comprends pas. Bon, attention les barbelés. Aïe. Tiens, tiens. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Je peux balancer sur mes ennemis. Et voilà, j'ai une vue supplémentaire à 500 points. Attention, c'est quoi ce truc en dessous? Le saut de la foi. Non, 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 non. Je vais finir le niveau avec ça. Non. Non, attends, on se calme. Merde, je vais perdre, je vais perdre. Et voilà. Un petit achievement. Non. Je peux le garder. Et là, il y en a deux. Avec le compagnon, c'est mon compagnon. Ah, 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 qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être l'utiliser. Attendez, j'ai vu un truc. J'ai vu quelque chose. Est-ce qu'il est mort? Oui. Oh merde. Non. Oh, mais c'est de la merde ça. Allez, on se casse d'ici. J'aime pas ses ennemis. Se cache derrière les colonnes. Ça pète tout ça. Ça, ça pète. Il faut bien viser. Voilà. Des petits cyclopes. Oh putain, eh, ça chauffe là. J'ai même pas le temps de me retourner. Il revient. Oh non mais j'arrive pas à le lancer sur les ennemis. Voilà. Et merde. Bon bah tant pis. C'est quoi ça? Non 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 non. Bonjour madame. C'est Médusa. C'est pas Médusa, je sais pas.
Il m'avait pas touché la première fois. Comme à chaque fois, ça n'a pas l'air compliqué. Ah oui, voilà, voilà, là fallait passer au-dessus. Là, je me mets là. Elle me touche quand même. Merde. Non, tu me toucheras. Point, point. Ah, attends, attends. Ok. Oh bah voilà. C'est facile. Bon bah tout compte fait, je vais peut-être finir le jeu avec, avec le vampire. Vu que c'est le dernier stage. Il me reste un continu. Ou pas. Ou c'est le dernier, je sais plus. Last battle. Le petit dinosaure. Quoi, c'est le last battle ça? Non, okay, c'est juste un mini de merde. Je pensais que c'était un boss. Je crois que le mieux c'est d'éviter tous les ennemis. Bon, mais je les évite. À la fin de Megaman. Les Minotaurs. Les pics, là, j'ai pas confiance. Il va se passer un truc. Voilà, 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 voilà. Hein, comme d'habitude. Oh merde! Ah oui, à ce point-là. Comme dans un autre jeu de Konami. Super C. Pas éviter ça. J'adore la musique. Y'en a qu'un? Non, là y'en a plein. Oh, non mais faut les éviter. Non mais. Oh la vache! C'est quoi ce bordel? Voilà, tu n'arriveras pas à la fin de ce jeu. On t'envoie toute la sauce d'un coup. Non mais la sauce. Regardez ça les gars, vous ressemblez plus à rien, vous êtes glitché. Vous êtes tout glitché. Toi tu te retournes pas. Merde, ça me suit. Ok. Ok. Il me reste qu'une vie. Des dodongos. Non! Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est le game over définitif? Non. Non, il y a encore une chance. Et je recommence ici. Très bien. Bon, toi, on a compris. Trois coups, faut se blesser. Ah putain, mais comment? C'est pas logique ce qui vient de se passer. Comment je vais faire les dragons là? Le dragon à trois têtes. Je sais pas du tout comment je vais faire pour l'éviter. Ça c'est super simple. Ok. Reculer un petit coup, le taper une fois et passer en dessous. Ouais, c'est ça. Hop. Ok. Merde, il revient.
Ah là là. Oh, ah là. Non, ça pue. Non, stop, 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 stop. Vite, vite, il y a de la vie. Il y a de la vie, j'ai raté la vie, merde. Et du coup, ça sert plus à rien de les prendre. Ah non, ce passage-là, c'est la mort. Salut Popcorn Flex. Salut Fugazi. Et là... on se met là, au milieu. On tue les deux. Merde. Non, c'est pas la bonne stratégie. Comment j'ai fait ? Au moins que j'arrive au boss sans mourir. Mmh. Ah bah carrément, c'est cadeau. J'ai 3 vies, j'ai plus de continuer. Faut finir ce jeu. Oh non, le boss rush. Le boss rush, quoi. La vache. Je m'y attendais pas du tout. Ok. Alors le suivant, c'est... je me souviens déjà plus. Ah oui, lui. Donc lui, il faut toujours attaquer par derrière. Voilà, là il va venir. Là il vient, ok. Ah putain, par contre un seul coup. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non! Putain, c'est hyper simple en plus. Allez, il est mort, ok. Super court ce jeu. Combien de temps j'ai commencé? 30 minutes. Moi je trouve qu'il y a la classe. C'est vrai que là. Bon là je vais pas risquer. Hein. Ça prendra 10 ans. Mais voilà. Je ne prends aucun risque. Je suis en pantoufle. C'est vrai. Dracula en pantoufle. Par contre, c'est mieux que j'aille de l'autre côté. Ah, bah là, j'ai pas le choix. Je peux lui donner 3 coups. Parce que je suis à droite. Salut Floppy Fred. Et là. C'est vrai qu'il ressemble à l'émoticon Twitch, ce boss. Ah merde, aïe 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 aïe, ça craint. Non, c'est bon. Et donc on peut jouer à deux simultanément. On pourrait peut-être y jouer un jour en Sunfest. Il est où? Putain, j'étais en train de lire le chat là.
Salut Pigvi. Non, je peux rien faire, je suis obligé d'attendre. Allez, me dégage. Je l'ai bien touché. Dès qu'il apparaît, je peux aller directement vers lui. Comme ça. Très bien. Bon, c'est bon, c'est bon. Ah merde, il m'a touché. Bim. Et voilà. Au suivant. C'est... Oh, mais c'est toi. Toi, ça va aller. Faut juste pas que... Voilà, faut juste pas que tu viennes de ce côté-là. Ah non, mais c'est chaud, j'ai rien dit. Bon, il vient par le haut, c'est facile. Là, je dois passer comme ça. Ok. Et là, je sais pas. Non, là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais. Ouh ! Oui, c'est ça, je suis là. Au moment qu'il ne reparte pas vers la gauche, après, ça va. C'est facile. C'était facile. C'est même le boss le plus simple. Et maintenant, ben... Surprise. Ah non, mais j'avais oublié. Cette demoiselle. Je crois que c'est toi. Non. Oui, mais il faut taper son adversaire aussi. Mais je peux pas prendre de risque. Si je me baisse, ça n'ira jamais. J'ai pas envie de perdre ce petit carré de vie. Ah, j'arrive pas à la frapper! Un coup. Plus que 9. J'ai raté mon double saut. Quoi? Elle m'a gelé sur place. Ah d'accord, en fait elle me touche pas, elle me gèle. Il ne restera qu'une seule vie pour le boss. Encore perdre à la toute fin, comme d'habitude. Le boss de fin, on va le voir deux secondes. Putain de... On le verra même pas en fait. On le verra. Merci! Merci! Bon, maintenant on le défonce. Hein.
On défonce. C'est qui? Oh là 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 là. Ok. On va prendre le pattern avant de taper dessus. On tape dessus, on s'éloigne, on saute. Ok. On tape dessus, on s'éloigne, on saute. Et c'est sa première forme, évidemment. Il y aura une deuxième forme. C'est un jeu Konami. C'est David Copperfield. Merde, raté. La musique est excellente. Pas le temps de le frapper une deuxième fois. J'ai fait rater mon double saut. C'est Gérard Majax. Oh non! Bordel! Deux carrés de vie. Le double saut qui sort pas! Putain, j'y crois pas quoi, il me reste un carré de vie. J'ai compris comment tuer le boss et je vais rater un double saut et ça va être la merde. Ah. J'ai raté le double saut, j'ai raté le double saut. Bordel. Salut Monsieur Tripoud. Ah. Bon, j'ai réussi, deuxième forme et je vais mourir. J'ai fini le jeu ou pas? J'ai fini le jeu avec un carré de vie, tous mes continus utilisés et toutes mes vies. Au moins qu'il y ait encore un autre niveau. Alors là, moi je dis, c'est le gros GG. J'ai vaincu. Voilà, c'était pour le spectacle en fait, j'avais fait exprès de garder un carré de vie. Pour le stream. Ce magnifique finish. Ah, il y a un deuxième loop. Je suis de retour. Quoi? Je reprends ma manette. Merde! Non! T'es sérieux là? Aïe 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 aïe. C'est pas fini! Qu'est-ce que je fais là? Oh non! Va falloir passer au-dessus là! Va falloir passer au-dessus des ennemis! Oh non, mais non, mais non, mais non! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté! On ne verra pas la fin du jeu! On ne verra jamais. Quoi? Ah d'accord, c'est toi qui fais apparaître tes saloperies!
Mais d'accord. Il comprend toujours. À un carré de vie, c'est incroyable. Je l'aurais jamais. Je l'aurais jamais. Non. 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 Non, non, non. S'il te plaît. Ça mérite pas le GG, tout compte fait. Non, putain, mais combien de fois je vais faire un best-of là-dessus? Fais chier, allez. La prochaine fois avec The Monster. Ciao.